martyr. Seront-ils fusillés? La grâce adviendra-t-elle? Chaque instant ajoutait à leur transe mortelle. Quand, extrait certains soirs de leurs cellules, enfin, on les introduisit au greffe, tous les 20. Leur sort énigmatique, encore plus que la crainte, sur leur trait ravagé a creusé son empreinte. Car un mois tout entier, depuis le jugement, le spectre les hanta dans l'épouvantement. La sentence est rendue, implacable, fatale. 6 d'entre eux subiront la peine capitale. Leurs proches sont déjà convoqués au parloir. Qui dira leurs sanglots, leurs cris de désespoir, les transports éperdus des enfants et des mères, leurs lamentations et leurs vaines colères. Mais eux vont s'apaiser, les martyrs de demain, et se ressaisissant d'un effort surhumain, ne pleurez pas sur nous. L'heure n'est pas aux larmes. La patrie en péril appelle à l'aide, aux armes. N'importe où ni comment, chacun la doit venger. Avoir sa part d'honneur et sa part de danger. D'autres ont succombé sur les champs de bataille, sachant mourir comme eux sans que le cœur défaille. Notre œuvre fut obscure à côté de la leur. Pourquoi revendiquer pour nous un sort meilleur? Ces maudits, on les voit, couronnant leur ouvrage, parmi leurs familiers relever le courage, les ranimer du geste et, dans ces cœurs brisés, verser un peu de baume en de derniers baisers.